Stop le son. Synchro. Clap. Eh bien le bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau bolide comme vous le voyez. On a un vélo plutôt bien sympathique aujourd'hui à présenter sur la chaîne. Il fait beau, il fait chaud. Alors je suis dans des conditions semi-extrêmes parce qu'en fait si vous voulez il y a pas mal de vent aujourd'hui. Et j'ai toujours pas de bonnette sur mon micro-cravate. Donc le moindre coup de vent ça va vous faire des bourrasques dans les oreilles. Veuillez m'en excuser par avance. Aujourd'hui, vélo de la marque DYU, donc DIU sûrement, DIU, DIU. Le modèle exact, c'est le DU-FF500. Voilà, on va dire le DU, c'est bien. On est comme vous pouvez le voir sur un fat bike avec des gros pneus type 20 pouces, 4 pouces de large. On est sur un design que j'aime beaucoup puisque j'appelle ça un petit peu le design type balade, hein, c'est-à-dire le vélo de chill un petit peu, c'est pas VTT mode agressif. C'est la guidon droit que vous allez pouvoir régler en hauteur et celle qui va pouvoir également se régler en hauteur. Donc monter bien haut et descendre assez bas. Alors je dis assez bas puisqu'on a une petite suspension sous la selle qui va venir casser un petit peu de hauteur, mais bon, de toute façon on va y venir, on va venir sur les détails du vélo. Je vais tout vous dire de A à Z sur ce DYU FF500, DYU, je sais pas comment on va le dire. Bien sûr, comme d'habitude ici, on fait des tests complets, honnêtes, c'est-à-dire avec les qualités et les défauts. On va le passer au peigne fin, on va tout passer en revue. Laissez-moi sortir mon petit bloc-notes. Bon, alors avant qu'on commence, bien sûr, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, toutes les personnes qui interagissent sous les vidéos. Merci pour vos petits pouces bleus, merci pour vos commentaires. Je lis tout le monde. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne également. Et si vous me découvrez aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on teste régulièrement des petits bolides de ce genre, voire plus gros des fois et des fois plus petits. De toute façon, on teste tout ce qui touche à la technologie sur cette chaîne. Alors donc, on est sur un fat bike, ça je vous l'ai dit. On est sur un moteur arrière de 500 watts. Donc on est sur une moyenne. On n'est pas sur la moyenne basse, on n'est pas sur la moyenne haute. La moyenne haute, je dirais qu'elle est aux alentours de 750 watts. La moyenne basse, c'est 250. Là, on est sur du 500, du entre deux. Donc c'est péchu, ça a de la reprise. On est sur une batterie de qualité sur le vélo. De toute façon, vous allez voir qu'ils ont choisi des composants de qualité. C'est plutôt cool pour un vélo. On est placé assez haut au niveau tarif. Mais vous allez voir que tout ce justifie. Donc on est sur une batterie LG de 48 volts 14 ampères. Alors 14 ampères, pareil, on est sur une moyenne. Voilà, c'est pas la moyenne basse, c'est pas la moyenne haute, mais on est sur une moyenne. Niveau autonomie, on nous annonce 100 km. Alors comme d'hab à chaque fois je le répète, hein, mais les autonomies sont très souvent surestimées par les entreprises, très souvent, même trop souvent. Donc là, à cet instant précis de la vidéo, bien sûr, je suis loin d'avoir pompé toute la batterie, hein. De toute façon, la vidéo se déroule toujours en deux parties. Première partie, je vous parle des spécifications du vélo. Deuxième partie, on ira faire un petit ride avec. Donc à ce moment précis de la vidéo, j'ai fait très peu de kilomètres avec le vélo, mais ce n'est pas le premier fat bike qu'on teste sur la chaîne, loin de là. Donc voilà, je connais bien maintenant, j'arrive à estimer à peu près les autonomies des vélos. En tout cas, les autonomies que moi je vous donne sont beaucoup plus proches de la réalité que ce que vous allez retrouver sur une fiche technique. Moi, je vous le dis, en termes d'autonomie, ne vous fiez jamais ou alors que très rarement à une fiche technique. Vous allez être déçu systématiquement. Donc en 14 ampères, 48 volts avec une batterie lithium, bon, bien que c'est quand même une batterie LG, donc c'est des bonnes cellules, hein, ça on va le prendre en compte. Comptez plutôt entre 50 et 70 km en mode assistance électrique. Je vous parle même pas d'un mode électrique pur, hein. C'est en mode assistance électrique. Comptez 50 à 70 km. Je vous donne une grosse fourchette puisque ça va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Ça va dépendre surtout des terrains que vous allez emprunter. Si vous allez prendre des chemins, si vous allez prendre du plat, si vous allez prendre de la montée, de la descente, tout ça, ça va jouer. Donc grosse fourchette entre 50 et 70 bornes. Mais je compterai pas sur 100 km. Hein. Si vous comptez faire 100 km avec le vélo, vous dire allez, je vais le recharger, je pars pour 100 km. Vous arrivez à la moitié, vous n'allez pas faire le retour, hein, je vous le dis direct. Sauf si vous écrasez bien la pédale, là, il y a peut-être éventuellement moyen. Mais dans ce cas, il faudra donner un bon coup de pédale. Donc moi, je vous donne des autonomies quand même. C'est-à-dire, je prends en compte que le vélo vous aide quand même. Hein. On n'est pas là à pédaler comme des forcenés, tu vois. Alors attention, faut pédaler quand même. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez faire entre 50 et 70 km, mais comptez pas pédaler comme un flamant rose. Hein. Sinon, ça ne va pas le faire. Il faudra bien pédaler quand même. Mais je prends en compte que le vélo est bien là pour nous aider. Après, si vous pédalez comme un gorille, ouais, il y a moyen, vous faites 100 km avec le vélo. Peut-être même 200, 300 peut-être. Voilà, si l'assistance, elle se met jamais en route. Vous pouvez même faire 1000 km dans ce cas-là. On a un écran LED sur le vélo. Alors un écran LED que je connais bien puisqu'on le retrouve sur pas mal de modèles. C'est un écran standard qu'on retrouve même sur des trottinettes, des vélos. Enfin, cet écran-là, il est vraiment partout. Ça m'étonnerait pas un jour de le retrouver sur des friteuses ou sur je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, on le trouve vraiment partout cet écran. En même temps, c'est vraiment pas pour me déplaire puisque cet écran, je l'aime beaucoup. Il est bien, il est lisible, il est clair. Même en plein
placagnard comme ici, je vous assure qu'il est orienté placagnard et puis j'ai aucun mal à lire ce qu'il y a sur l'écran. Il va vous donner bien sûr votre vitesse en kilomètre heure, la vitesse d'assistance électrique, il va vous donner votre kilomètre du voyage que vous êtes en train de faire, il va vous donner votre kilomètre que vous avez fait en tout avec le vélo, il va vous donner pas mal d'informations, alors surtout l'essentiel, hein, puisque bon, ça sert à rien non plus d'avoir un tableau de bord de Boeing A347 ou je ne sais guère. Mais voilà, franchement, il y a tout ce qu'il faut où il faut sur ce compteur et il est très bien. On part sur un design de vélo pliable et ça, franchement, c'est super cool quand vous voulez partir en balade, vous voulez le mettre dans le coffre de votre voiture ou quoi, donc ça passe nickel. Vous avez une petite languette, vous tirez et après, je vous le mets en 1000, le vélo se plie en deux. Une fois que vous avez fait ça, vous l'avez compris, le guidon se rabat et vous vous retrouvez avec quelque chose qui prend pas beaucoup de place, on va dire. Donc qui prend moins de place déjà. On a une très bonne selle sur le vélo, alors c'est incontestablement la selle la plus confortable que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui sur tous les fat bikes confondus. Et je vais vous dire pourquoi, c'est tout simplement parce que déjà on a une suspension sous le tube, donc déjà ça c'est le premier confort, mais en plus on a une selle à airbag, donc à coussin airbag, et vous allez pouvoir vraiment la gonfler comme vous voulez et c'est extrêmement simple. Regardez, là j'ai un petit bouton en dessous, je la dégonfle, voilà. Et là, je la dégonfle. Elle est dégonflée au maximum. Donc, vous voyez que là, c'est un peu trop moellax. Hein. Et pour la gonfler, vous avez une pompe. Et là, voilà, vous pompez tout simplement à la main. Et au fur et à mesure, vous allez voir que la selle se gonfle. Et en fait, vous la gonflez selon votre préférence, quoi. Si vous voulez une selle bien raide, bah, vous la gonflez bien. Si vous voulez une selle un peu plus moelleuse, vous la gonflez moins. Voilà, hop. Moi, ça me convient. Là, c'est même un peu trop gonflé. Voilà, c'est parfait. Donc, très, très bon point pour la selle. Là, vraiment, dégueu. Excellent. Vous voyez que quand je vous disais qu'ils ont choisi des bons composants, on y vient doucement. Donc déjà la batterie de très bonne qualité, la selle de très bonne qualité, les pneus de très bonne qualité puisqu'ils ont pris des pneus de la marque Shaoyang. Alors après je sais qu'il y a un petit débat là-dessus, surtout dans les fat bikes, Shaoyang, CST, alors je sais plus si c'est CST la marque, il me semble que c'est ça, hein. C'est CST, l'autre grande marque de pneus fat bike. Donc ces deux grandes marques de toute façon, c'est Shaoyang et CST. Alors ça par contre, c'est quelque chose que j'ai pas pu vérifier puisque franchement, je trouve que j'ai pas moins crevé avec des pneus Shaoyang qu'avec des pneus CST, donc à vérifier. Mais en tout cas, c'est vrai que ça se dit beaucoup dans le monde du fat bike que les pneus Shaoyang, c'est la meilleure qualité. C'est un petit peu comme les Michelin, les Continental, vous voyez. Voilà, il y a les mêmes choses pour les vélos. Donc, ils ont pris du Shaoyang. Encore une fois, je pense qu'ils ont fait le choix de prendre de la bonne qualité. On a un dérailleur Shimano 7 vitesses. C'est du grand classique. On a une suspension à l'avant, pas de suspension à l'arrière. Alors, pour remédier à ça, toujours, moi, je mets deux barres à l'avant et à l'arrière, je gonfle environ 1,5, 1,6. Donc, je sous-gonfle un peu le pneu, on va dire, et ça compense ce manque de suspension. Après, si vous êtes sûr de rouler que sur de la route, du goudron, et tout, bah mettez deux barres dans les deux pneus. Non seulement vous allez gagner en confort, mais en plus vous allez gagner en autonomie puisque vos deux pneus seront bien gonflés. Désolé, il y a une grosse rafale qui passe là. Je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais c'est un truc de ouf. Je vais attendre qu'elle passe. C'est infernal. On a une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. Bon, au niveau de la lumière avant, bah voilà, c'est bon, c'est good. Hein. J'ai vu des lumières qui éclairaient plus que ça. Voilà, c'est pas la lumière qui éclaire le plus, c'est clair. Vous n'allez pas éclairer Saturne avec, hein. Mais vous allez être visible, vous allez voir ce qui se passe devant vous sans problème. On a une lumière à l'arrière qui est totalement indépendante de la batterie du vélo. Donc c'est-à-dire que voilà, ça fonctionne, il n'y a même pas de fil, il n'y a rien les mecs. Alors j'ai même pas vu une petite recharge USB quelque part. C'est-à-dire que bon là je ne l'ai pas démonté, mais je pense qu'en réalité ça marche avec des piles. Voilà, donc là petit point faible d'Ayou. Voilà. Surtout, bon, on part quand même sur un vélo qui est quand même assez onéreux. Hein. On va y venir tout doucement. Mais donc voilà, j'aurais bien aimé un petit phare qui soit raccordé à la batterie, ça aurait été sympa. Ou alors quelque chose qui se recharge en USB. Peut-être mauvaise langue, je ne l'ai pas démonté. Bon, en tout cas, ça m'a l'air de fonctionner avec des piles. Garde-boue arrière, garde-boue avant, ça c'est du grand classique. On est sur un cadre en alliage d'aluminium, on est sur un beau cadre, on est sur un cadre bas, donc ça c'est plutôt cool. C'est, en général, c'est ce qu'on préconise pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes de petite taille. Et puis en fait, c'est pas forcément, c'est ce qu'on préconise pour, voilà, pour tout le monde. On va dire que c'est plus facile pour ces personnes-là. Mais voilà, tout le monde peut rouler avec un cadre bas, quoi. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un cadre bas, c'est que tu montes comme ça sur le vélo. Voilà, tu t'embêtes pas, quoi, tu vois. Tu fais pas des grandes enjambées ou quoi, t'as pas un tube à enjamber. Si tu veux, par exemple, voilà, ça peut être sympa pour les personnes qui ont peur de tomber en vélo.
Par exemple, hein, je sais pas, je vous dis ça, mais voilà, si vous avez besoin de sauter de la selle vite fait, vous voyez, vous êtes sur la selle, hop, vous sautez nickel. Ce que tu peux pas faire avec un grand tube en métal puisque tu te casserais forcément les deux. On a un porte-bagages à l'arrière qui va pouvoir supporter maximum jusqu'à 25 kg. Donc c'est marqué dessus, hein, vous pouvez pas le rater, max 25 kg. Et on est sur une capacité maximale de charge sur le vélo pouvant aller jusqu'à 150 kg. Donc autant vous dire qu'on va pouvoir monter de sacrés gaillards dessus. On est sur une vitesse max de 32 km/h. Donc on a trois vitesses d'assistance électrique. Vous avez le mode électrique pur si vous voulez. Il y a une petite molette là que vous allez pouvoir tourner avec le pouce. Et vous allez bien sûr pouvoir pédaler sans assistance électrique. Sachant que le vélo n'est pas si léger que ça. Alors il n'est pas si léger, mais il n'est pas si lourd que ça. Hein. Voilà, disons qu'on est dans une moyenne encore une fois par rapport à ce type de vélo. On est sur 31 kg. C'est pas le vélo que vous allez traîner à bout de bras comme ça dans les transports en commun, quoi, tu vois. En général, un fat bike, ça fait toujours son poids. Donc nul doute que vous allez pouvoir débrider le vélo. Mais moi franchement je trouve que 32 km/h c'est déjà très très bien. Voilà, déjà 32 km/h les mecs, même sur la plus grande vitesse, vous allez mouliner. C'est clair, sauf si vous utilisez l'assistance électrique, enfin le mode électrique pur, je veux dire, la gâchette d'accélération. Mais sinon, en pédalant 32 km/h, tu moulines. Donc c'est toujours ce qui manque sur ce type de vélo, c'est des plateaux. Ça, c'est dommage. À chaque fois, je le répète, voilà, c'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas de plateau sur les fat bikes. Ça coulerait tellement de sens. Tu pourrais monter au moins à 80 avec le vélo, là. Et tu prends le gros plateau et tout. Puis après, tu te prends une giga vôtre. Le vélo est étanche IP54. Donc, mais c'est dingue, ça se vend. Oh, c'est fini, oui. IP54 au niveau de l'étanchéité, donc vous n'allez pas faire de la plongée sous-marine avec, hein, mais vous allez pouvoir rouler sous la pluie, sur la neige, voilà, sans aucun problème, normalement. Je vous dis ça parce que c'est vrai que je raconte très souvent ma petite anecdote pour vous dire que j'ai cramé un contrôleur de fat bike, donc qui était étanche et tout, vous pouvez rouler sous la neige, sous l'eau, dans les airs, voilà, j'ai pris une flaque d'eau, mort. Donc voilà, celui-ci, normalement, pas de problème, étant chipé 54. Il est capable de prendre des pentes jusqu'à 15 degrés. Bon, ça m'étonne pas du tout, franchement. J'ai pris la montée de la mort, mais alors sans aucun souci, les mecs. Hein. Voilà, j'ai pédalé vraiment comme dans du beurre et m'a emmené tout seul. Temps de charge, faudra compter entre 7 et 8 heures. Nous avons une batterie amovible sur le vélo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'enlever, la recharger chez vous sans problème. Puis voilà, vous l'emmenez et puis vous faites des petites balades comme ça avec votre batterie. C'est plutôt sympa, non? Allez, je la remets et j'arrête de raconter des conneries. Donc niveau tarif, je vous avais dit qu'on allait y venir. On est sur un vélo qui coûte quand même 1 500 €. Donc ça picote un petit peu. Après, ça se justifie quand même, hein. Je pense qu'on a des bons composants, on a une excellente batterie. On sait que la batterie, c'est ce qui fait, je dirais pas les trois quarts du prix du vélo, mais presque, voilà, c'est clairement le composant qui coûte le plus cher sur le vélo, c'est la batterie. On a des bons pneus, on a un cadre bas, on a quelque chose qui est bien fini avec des bonnes soudures, ça a l'air très robuste, voilà, on a un beau design, enfin... Voilà, je trouve qu'on a, des bons composants, on a une bonne selle, une très bonne selle. Donc voilà, tout ça, je pense que ça va venir justifier le prix de 1 500 €. Après, l'achat d'un vélo, bah, c'est un gros budget, les mecs. Hein. C'est vraiment une grosse dépense. Donc c'est vrai que tu te dis pas, tiens, je vais acheter un vélo comme je vais acheter une baguette de pain, quoi, tu vois. Tout le monde n'a pas des prix comme ça à mettre dans des vélos. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un achat qui se réfléchit. Et puis, faut voir selon vos besoins, selon vos envies. Là, vraiment, on est sur quelque chose de qualité avec des très bons composants. Donc bah pour moi ça justifie tout ça. Allez, j'arrête mon blabla, j'éteins le téléphone et puis on va tout de suite faire un tour avec le vélo. Let's go. Bon, on est parti pour faire un petit ride avec le vélo, tranquille. Et franchement, quand vous mettez vitesse 1, l'accélération elle est super progressive, c'est super agréable. Là dans le chemin, je suis à quoi? Je suis à 15 km/h, pas plus. Le manque de suspension arrière, franchement, il se fait pas ressentir, donc c'est nickel. Alors il y a quand même un truc dont je vous ai pas parlé, c'est les freins les mecs. Donc on est sur des freins à disque, hein. C'est pas des freins hydrauliques. Franchement, on aurait bien aimé à ce tarif-là, mais bon, voilà, c'est des freins qui freinent relativement bien. Alors par contre, j'ai remarqué un truc sur les tests de vélo ces derniers temps, ça fait déjà pas mal de vélos où je le remarque. Si vous voyez que je parle un peu avec une patate, les mecs, c'est parce que j'ai un bonbon dans la bouche. Je suis désolé, c'est très mal poli, je le sais. Le frein avant est toujours pas mal desserré par rapport au frein arrière. Le frein arrière, il est bien mordant, le frein avant, moins. La roue, elle va pas se bloquer. Et en fait, c'est vrai qu'avant, je remarquais pas ça. Je remarquais pas parce que je pense qu'il faisait pas, tout simplement. À mon avis, il y a dû avoir un pélo qui a fait un soleil avec un vélo. Ça a dû faire un buzz en vidéo. Et puis, je pense que depuis ce temps-là, ils se sont dit « Attends, on va desserrer un peu le frein avant quand même. » Je sais pas, je vois que ça comme solution, moi. C'est vrai que ça fait un moment que je le remarque. Sur tous les vélos que je reçois ces derniers temps, le frein avant est toujours desserré par rapport au frein arrière.
Et c'est pas plus mal en vrai. C'est pas plus mal parce que ça t'évite de faire un soleil, quoi, tu vois. Bon, il y a pas mal de vent, les mecs. Encore une fois, j'espère que vous m'entendrez bien. Bon, sinon, je vous le dis, les mecs, franchement, niveau... Là, je suis en vitesse 1 depuis tout à l'heure. Hein. Niveau confort et tout, le vélo est ultra confort. La selle, ça joue beaucoup. La selle joue énormément sur le confort du vélo. Et puis, bah, bien sûr, comme d'hab, les grosses roues. Hein. Mais la selle joue énormément. Elle est très confortable, la selle. Là, pour le coup, c'est la plus confort que j'ai essayé jusqu'à présent. Alors bon, les freins frottent un petit peu sur les disques. Mais ça, c'est normal. Hein. C'est le temps que ça se fasse. Le vélo est tout neuf, forcément. Après, c'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais au niveau tarifaire. Je vous disais, ouais, c'est vrai qu'on est quand même... on est quand même sur un prix assez haut, 1 500 €. Mais en vrai, quand tu regardes... Je crois que ça va être la partie coup de gueule, là, les mecs. La dernière fois, j'étais dans un magasin, je pense, on connaît tous. J'étais à Intersport. J'étais avec mon frère. Et mon frère, il m'appelle, il me dit, tiens, regarde, il y a des fat bikes là-bas en exposition. Il me dit, regarde le prix. Lui, il avait déjà vu le prix. Tu vois, il commence à me faire jouer au juste prix, tu vois. Il me dit, dis un prix comme ça. J'ai dit, je sais pas, tu vois. Voilà, j'en sais rien. Bref, je vais voir l'étiquette. Accrochez-vous bien, les mecs. Je vois un prix de 3 500 €. Pour ce vélo-là, ouais, voilà, c'est pareil, c'est le même, les mecs. Voilà, 3 500 € pour le même style. La marque du vélo, c'était Gorille, donc Gorille comme un gorille. Je dis à mon frère, je fais putain, mais je les connais ces vélos. Je les connais. Je vais pas citer trop de marques puisque ce serait irrespectueux envers Deyou qui m'a envoyé leur vélo. Voilà, puisque bon, on est là pour parler de leur vélo. Mais je disais à mon frère, putain, le vélo que Intersport vend, je le connais. C'est exactement le même vélo qu'une marque chinoise floqué sous le nom d'une marque française, Gorille. Et tu te calmes, oui. Le vélo de la marque chinoise que je connais très bien. Voilà, je connais très bien son prix également puisque le vélo coûte 1 300 €. Ils vendaient le même, exactement le même, les mecs. Hein. Il n'y a pas de débat, il y a zéro débat. Voilà, ils vendaient le même floqué sous le nom de la marque Gorille à 3 500 €. Même caractéristiques, même soudure. Arrêtez avec oui, mais c'est du made in France, machin, nana, c'est pas la même qualité. Les mecs, je suis désolé de vous le dire, on va rentrer dans un débat là, mais vous vous faites douiller. Vous comprenez même pas la puissance de la cartouche que vous prenez. Vous vous faites douiller. Voilà. Et à tous ceux qui me disent, oui, mais tu privilégies pas le commerce équitable français et tout. Gros, il est où ton commerce équitable? À quelle heure tu fais du commerce équitable? À quelle heure c'est équitable quand toi tu me vends un vélo à 3 500 € alors que je peux l'avoir à 1 300 €? Déjà, voilà, propose quelque chose de bon marché, après reviens me voir, tu vois, on parlera de commerce équitable. Voilà, donc moi je suis désolé, oui, on privilégie pas le marché français en faisant ça. Gros, on est en période de crise, l'inflation elle est même pas encore à son plus haut niveau, on n'a pas d'argent, on va chercher les produits les moins chers. Donc moi aujourd'hui je vois Intersport qui me vend un vélo à 3 500 €, je vois le même à Pékin à 1 300 €, je vais chercher celui à Pékin. Alors après attention, ça je l'entends bien, je ne le remets pas en cause, la garantie. Ok d'accord, c'est vrai que tu as un problème, tu vas à Intersport, tu poses ton vélo, tu dis regarde j'ai un problème, maintenant tu me le changes. Il n'a pas le choix, il est sur le fait accompli. Le désavantage par rapport à un Intersport, c'est clair, c'est que là par exemple tu as un problème avec ton moteur, il va te renvoyer un moteur et ce sera à toi de le monter. Alors que oui, chez Intersport, bah, c'est lui qui va te remonter ton moteur. Il est là l'avantage d'avoir une garantie française. Ça, je l'entends bien. Ok. Maintenant, est-ce que tu es prêt à débourser 2 200 € de plus pour avoir ce service ou alors prendre le risque d'acheter un vélo à 1 300 € avec une garantie quand même, tu vois? Bon, certes, c'est pas la même garantie. Il va pas te remonter ton moteur et tout. Faudra que tu te débrouilles un peu. Mais tu auras une garantie. Moi, les mecs, je vais chercher le moins cher. Donc voilà. Et je suis désolé, il y a encore... je sais pas combien de temps que ça fait que je tourne comme ça, mais je vois de la buée sur mon objectif. Ça, c'est à chaque fois, les mecs. Alors, quelque chose de très important que je n'ai pas précisé sur ce vélo également, et là, c'est vrai que je le remarque depuis tout à l'heure en roulant à basse vitesse, c'est qu'on a un capteur de vitesse. Et donc ça, c'est cool. Et c'est pour ça que l'accélération, elle est très progressive. Vous voyez, c'est pas comme beaucoup de vélos où tu donnes ton coup de pédale, tu fais ton tour de pédale et là, d'un coup, le moteur, il se met en route, ça fait bzzz, tu vois. Là, c'est très progressif. En fait, il y a un capteur de vitesse. Si je pédale tout doucement, eh ben, l'assistance électrique, elle monte très progressivement. Tu vois, je pense que c'est ça. J'espère que je raconte pas de conneries. Alors attention, on n'est pas sur un capteur de couple, hein. C'est pas pareil. Capteur de couple, déjà les vélos ils valent plus cher et c'est pas la même technologie. Là on est sur un capteur de vitesse. Donc j'ai vu ça marqué sur la fiche technique. Je me suis demandé ce que c'était. Et en fait je pense que je viens de comprendre. Voilà. C'est-à-dire que je vais tester. Voilà, je me mets à zéro. Si par exemple je pédale tout doucement, hop, ça se met en route. Et c'est vraiment tout doux. C'est tout doux. Regardez les mecs. Voilà, je pédale ultra doucement.
là ça se met en route, vous voyez. Alors c'est pas comme un capteur de couple, mais presque au final. Voilà, et en fait je pense que voilà, le prix se justifie ici aussi. Ça, ça coûte cher les mecs, hein, les capteurs comme ça. Surtout les capteurs de couple, ça coûte très cher. Voilà, là tu prends le même vélo en capteur de couple, tu vas les trouver à 2000-2500 €. Si je pars directement avec la gâchette, hop, là, ça part tout de suite. Ça part tout de suite avec la gâchette. Alors qu'avec le pédalage, ça met un petit temps, tu vois. Voilà, et je pense que c'est ça le capteur de vitesse. Donc voilà, en tout cas, vraiment très agréablement surpris par ce vélo. Il est très confort, il est très cool, il est très bien à conduire, il est très beau, il y a un beau design. J'aime beaucoup les designs avec les cadres bas comme ça. Ça change un peu des designs avec les gros tubes que tu vas retrouver dans le milieu. Donc bah franchement c'est cool. Là depuis tout à l'heure je vous parle, je suis en vitesse 1, mais si je mets en vitesse 2 par exemple, vitesse 2 ça monte jusqu'à 25 km/h. Voilà, là je suis vitesse 2, hop, il bloque à 25. Vitesse 3 ça m'emmène à 32. Mais là déjà à 25, bon je vais pas dire que je mouline, mais pas loin. Après je monte vitesse 3, vitesse 3, 32. 32 et l'assistance elle se coupe. Voilà, 32 et l'assistance elle se coupe. Après tu sens bien quand même que si tu débrides le vélo, il peut monter plus haut, tu vois. Je pense qu'il peut monter facilement à 40 voire 50 km/h. C'est juste que là il est bridé, parce que ça se voit que dès qu'il arrive à 32, tac, l'assistance elle se coupe cash, tu vois. Alors qu'il met pas longtemps à arriver à ses 32 km/h. Tu vois bien qu'il y a un bridage. Et puis honnêtement, je le débriderai pas parce que ça suffit largement, quoi. Déjà, je vous dis, 32 km/h, les mecs, vous moulinez. Hein. Bon, je vous reprends quand même sur ce capteur de vitesse parce qu'en fait, ça se vérifie. Ça se vérifie complet. C'est, alors, je pense pas que ce soit un capteur de couple, les mecs. Je ne sais pas du tout. Mais là, par exemple, regardez, je suis en assistance 2 et je pédale tranquillement. Et le vélo m'assiste en fonction de l'effort que je lui fournis à la pédale. Voilà. Donc je suis en train de me demander si c'est pas ça un capteur de couple. Moi j'ai vu marqer capteur de vitesse sur la fiche technique. Et là par exemple voilà, si je pédale un peu plus fort, il m'assiste plus fort. Voilà, si je ralentis, vous voyez le moteur il s'emballe pas en fait. Il s'emballe pas comme un vélo normal. C'est-à-dire moi tous les vélos que j'ai testés jusqu'ici, je donne un coup de pédale, le moteur il s'emballe tout seul. Voilà, et puis il monte à la vitesse. Après vous arrêtez de pédaler, il s'arrête. Mais là, pas celui-là. Voyez, là je pédale plus fort. Si je pédale plus fort, eh ben il pédale plus fort avec moi. Donc voilà, vous irez voir de toute façon la fiche technique dans la description. Mais je me demande du coup si c'est pas un capteur de couple. Voilà. Moi j'ai vu marquer capteur de vitesse. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je teste un vélo comme ça justement. Donc qui me fournit l'effort que j'ai besoin à la pédale. Et voilà, c'est vrai que c'est agréable. Donc vous voyez qu'en fait, bah, tous ces petits trucs-là, ça va se justifier dans le tarif du vélo. Voilà, je pense que voilà, à 1500 €, on n'est pas déconnant sur ce modèle, sur le FF500. Vraiment. Donc voilà, c'était important de vous préciser, j'allais dire ce petit détail, mais ce n'est pas un petit détail. C'est vraiment un gros détail et ça compte énormément. En conclusion, c'est un bon vélo. Ils ont choisi des bons composants. Je pense que le prix se justifie, tout ça se justifie par les composants qu'ils ont pris, par le capteur de vitesse. Je pense, j'espère que je dis pas de conneries par rapport à ce capteur de vitesse. N'oubliez pas, si vous avez kiffé, vous me laissez un petit commentaire pour m'encourager, un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Moi, je vais finir mon tour tranquillement et je vous dis salut !